Shalom que tu as instauré, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui sonde même les profondeurs de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu disposes. Merci parce que hier, tu as mis la joie dans nos cœurs, car nous avons assisté au baptême de la sœur Ingrid, Seigneur. Amen. Et ta parole dit qu'il y a fête au ciel et a également eu fête sur la terre, Seigneur. Seigneur, tu connais ta fille, elle qui t'a reçue, elle qui t'a confessé, elle qui a cru en ton nom et qui croit en ton nom. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bâtir encore en elle, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de l'élever, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de faire briller en elle, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Amen. Nous te prions, Seigneur, de la tenir toi-même par la main, de l'instruire, de l'enseigner et même la corriger, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous tes princes et tes princesses, Seigneur, qui ont fait le déplacement de toute la France. Et même hors de la France, Seigneur. Amen. Parce qu'il ne venait pas rencontrer un homme, mais toi, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as parlé et tu parles encore, Seigneur. Nous voulons disposer nos cœurs à l'écoute de ton Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser guider, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ta parole nous dit marcher selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'obéissez, vous n'agirez pas selon la chair. Seigneur, conduis cette retraite comme tu l'as conduite dès le début, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Nous voulons expérimenter, Seigneur, ta présence. Nous voulons expérimenter, Seigneur, être à tes pieds, Seigneur. Si parmi nous, Seigneur, il y a encore des personnes qui ont des pensées lourdes, le cœur lourd. Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, puisse trouver du repos auprès de toi, Seigneur. Seigneur, si tu as permis que ces personnes puissent être ici aujourd'hui, Seigneur, c'est pour écouter ta parole. Une parole, une sémence qui jaillira dans leur cœur, Seigneur, comme une source d'eau vive, comme le Samaritain te l'a demandé. Seigneur, donne-moi de cette eau. Pour que je n'ai plus jamais soif, Seigneur. Car ici présent, Seigneur, toi qui connais les cœurs, Seigneur, toi qui sondes les cœurs, tu connais les attentes de tout un chacun, Seigneur. Puisse, Seigneur, dans ces retraites, Seigneur, chacun ici présent, retourner, pas comme il est venu, mais avec, Seigneur, quelque chose que tu as donné, Seigneur. Seigneur, merci de disposer. Merci, Seigneur, de parler. Merci, Seigneur, car nous sommes à l'écoute. Que ta grâce, que ton amour et que ta miséricorde, Seigneur, remplissent nos cœurs. Au nom puissant de ton Fils Christ, nous avons prié. Amen. Amen.
dans la Bible. Il faut que tu gardes et que tu médites souvent là-dessus. On va aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Il y a une Bible, il faut... Oui. Ah, d'accord. Ah, oui. Non, on a dit Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Verset 25. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes crimes. Pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors, c'est une parole qu'il faut garder profondément dans ton cœur et surtout bien connaître ton Père que tu as accepté. Parce qu'il dit qu'il a effacé ton péché et il ne s'en souviendra plus. Ce qui signifie que toi également, de ton côté, une fois que tu t'es repenti totalement de ton péché, il faut accepter son pardon dans ton cœur. Recevoir, parce que Dieu pardonne quand nous lui demandons pardon, mais il faut le recevoir aussi dans ton cœur. Quand Dieu te pardonne, il faut recevoir dans ton cœur. Et la réception du pardon dans son cœur efface la culpabilité. Ça enlève la culpabilité totalement. Voilà, ça c'est vraiment important, en fait, que cette culpabilité-là soit ôtée. Donc, puisque maintenant ça vient dans ma bouche, il y a d'autres versets qui arrivent. Donc je vais te les donner aussi, nous les donner aussi, hein, parce qu'il peut y avoir d'autres personnes également qui en ont besoin. Allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Hébreux, chapitre 9, versets 13 à 14. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14 dit,
Car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Ça, c'est ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Donc, il met ce qui se passait dans l'ancienne alliance en regard avec ce que Jésus-Christ a accompli. Nous savons que ce qui se faisait dans l'ancienne alliance était temporaire, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité s'est passée en Christ, et toi tu es né de nouveau en Christ. Donc c'est le verset 14 qui est là pour nous montrer comment Christ a amené à la perfection vraiment ce qui était déjà dans l'ancienne alliance. Donc, et dans le verset 14, il dit à combien plus le sang de Christ. Donc, si déjà le sang des taureaux purifiait la chair des personnes de l'ancienne alliance, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, s'entache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Dans le sang de Christ, lorsque tu t'es confessé, tu as demandé pardon pour tes péchés, le sang de Christ purifie ces péchés-là d'abord, et ensuite il purifie ta conscience, parce que nos consciences nous accusent de ce que nous avions fait quand nous étions dans l'ignorance. Mais le sang de Christ a pour rôle de purifier aussi la conscience. C'est-à-dire que quand on se met devant Dieu, on n'a plus mauvaise conscience. Parce qu'il nous a rétablis totalement. C'est comme un enfant qui a fait une bêtise, tu le punis, et après, quand il revient auprès de toi, tu ne vas plus regarder ton enfant comme tu le regardais quand il était dans la faute. Tu vas lui témoigner désormais de l'amour et lui montrer que tu l'as restauré. C'est important pour nous parents aussi, c'est un conseil. Quand on a puni les enfants pour une faute et qu'on voit bien que les enfants ont compris pourquoi ils ont été punis et qu'ils ne ils s'engagent à ne plus refaire cette faute-là, on doit réintégrer les enfants, leur remontrer vraiment que, en fait, la faute qu'ils avaient commise n'a pas annulé l'amour que nous avons pour eux. Et que la correction a été là simplement pour leur montrer qu'ils avaient mal fait, mais notre amour reste entier pour eux. Et Dieu a toujours aimé l'homme. Dieu a créé l'homme et a déversé son amour sur l'homme, mais à cause du péché, comme nous dit la parole du Seigneur. Bon, excusez-moi, je voulais donner un verset à la sœur Ingrid, mais il y a d'autres choses qui viennent. Donc, je vais continuer à donner simplement ce qui vient. Retournons dans Ésaïe 59 maintenant. Ésaïe chapitre 59, au verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Mais pour toi, c'est Ésaïe 43, verset 25. Hein. Le verset que j'ai reçu pour toi, c'est ça. Et il y aura un autre verset aussi. Mais tout ce que je donne, c'est pour bien expliquer, pour que tu comprennes bien la portée de ce verset-là. Parce que la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Donc c'est important que tu puisses comprendre vraiment le contenu de ce verset-là, afin que lorsque tu vas le méditer personnellement, que toute la profondeur qu'il y a dans ce verset-là, que ça reste vraiment présent en toi et te permette d'avancer comme le Seigneur veut. Donc Ésaïe 58, verset 2 dit, mais ce sont... 59, verset 2, autant pour moi. Ésaïe 59, verset 2 dit, « Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation. » Je commence au verset 1. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachait sa face et l'empêchait de vous écouter. » Donc, Dieu a créé
l'être humain, comme on peut voir dans Genèse 2, il a tellement aimé l'être humain que c'est la seule créature de Dieu qui a l'image de Dieu, qui ressemble à Dieu. La seule, c'est l'être humain. C'est pour dire vraiment tout l'amour que Dieu a témoigné à cette créature-là qu'est l'être humain. Quand on lit dans le livre de la Genèse, à partir du verset 1, on voit que quand Dieu a créé les luminaires, les astres, ainsi de suite, à chaque fois, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, Dieu vit que cela était bon. Mais au sixième jour, quand Dieu crée l'être humain, il y a quelque chose qui se passe. C'est écrit, Dieu vit que c'était très bon. C'est la première mention de Dieu vit que c'était très bon. Les autres, ils vivent que c'était bon, mais l'être humain, c'était... Pourquoi? Parce que, en fait, la Bible nous dit que Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. On ne voit pas Dieu. Par contre, Dieu s'est rendu visible au travers de l'être humain. Parce qu'il a créé l'être humain à sa ressemblance, comme lui. Comme lui, on ne peut pas le voir, mais on voit Dieu au travers de l'être humain. Et l'amour que Dieu aussi a pour les êtres humains, il a mis ça dans le cœur de l'être humain pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Voilà pourquoi Jésus dit que le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça reste invisible. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, ok, mais on ne voit pas Dieu. Il n'y a pas de preuve palpable qu'on aime Dieu, même si on voit, on fait des choses pour Dieu. Mais, il dit, voilà le deuxième commandement, enfin, voilà le deuxième qui lui est semblable. C'est-à-dire que, en fait, étant donné que le premier commandement n'est pas concret, n'est pas palpable, n'est pas touchable, parce qu'on ne voit pas Dieu, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que là, par contre, ton prochain est devant toi. Et l'amour que tu manifestes à ton prochain est le reflet de l'amour que tu as pour Dieu. Donc, tu ne peux pas dire, vous n'êtes que des êtres humains, je m'en fous de vous, moi je pense à mon Dieu, j'aime mon Dieu. C'est faux, en réalité. Parce que, d'ailleurs, c'est même ce qu'on on lisait hier dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Comment, toi qui dis, tu ne peux pas dire, j'aime Dieu, que je ne vois pas, alors que j'haïs mon prochain, que je vois. C'est écrit, tu es un menteur, si tu dis ça. Donc, effectivement, Dieu manifeste son amour incommensurable aux êtres humains et Dieu a toujours aimé sa créature comme nous nous aimons aussi nos enfants, mais à cause de nos péchés il y a eu une barrière, de même que notre enfant peut avoir fait une bêtise, on va écarter d'abord l'enfant, on va punir l'enfant, on va mettre l'enfant en retrait de nous, souvent c'est comme ça, mais une fois que l'enfant a compris, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les êtres humains, acte 17, verset 30, qu'ils aient à se repentir. Donc, une fois que la repentance est arrivée, la Bible nous dit que le sang de Jésus efface nos péchés et purifie notre conscience des œuvres mortes. Donc, que nous avions pratiquées lorsqu'on n'était pas en ordre avec Dieu. C'est-à-dire que quand on s'approche désormais de Dieu, on n'a plus une mauvaise conscience. Parce que Dieu nous a totalement rétablis. Il ne nous rétablit pas à moitié. Il nous rétablit complètement. Parce qu'on est repenti de nos péchés. Même si il y a des péchés qu'on a oubliés de confesser. Donc, ce n'est pas de manière consciente qu'on n'a pas confessé ces péchés. Même s'il y a des péchés qu'il va nous révéler plus tard, mais il nous a totalement réintégrés. Parce que le cœur s'est tourné totalement vers Dieu. Donc Dieu aussi nous restaure totalement. Et en avançant, au fur et à mesure que la parole de Dieu va s'éclairer, il y a des aspects de notre vie ancienne qu'on va voir. Mais ça, c'était un péché. On dit pardon Seigneur et puis on continue à avancer. D'accord? Donc, revenons sur Hébreux pour bien comprendre le sens de Ésaïe 43, verset 25 qu'on a dit. Donc nous étions à Hébreux, chapitre 9. Verset 14. Donc, à plus forte raison, le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes dans un but pour que nous servions le Dieu vivant. Parce que si chacun d'entre nous ici
garde la conscience de sa vie d'avant, qu'il ne connaisse Dieu. Je suis le premier, je ne peux pas ouvrir la Bible ici devant vous pour parler. C'est parce que j'ai accepté dans mon cœur que après avoir demandé pardon à Dieu pour ma vie ancienne, avec tout ce qu'il y avait comme péché dans cette vie-là, que Dieu l'a effacé totalement. Et que devant Dieu, maintenant, Dieu m'appelle saint, totalement. C'est pour ça que je peux me mettre devant vous et ouvrir la parole de Dieu pour prêcher. S'il n'y avait pas cette acceptation-là dans ma conscience, que ma vie ancienne ne me condamne plus aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Donc nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous pouvons nous mettre devant Dieu sans avoir une conscience impure, oui, de ce que nous avions commis lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, aucun de nous ne peut prier. Hein? Personne ne peut prier. Personne ne peut se tenir dans la présence de Dieu. Donc c'est parce qu'on a accepté cela dans nos cœurs qu'on peut venir devant Dieu sans être, sans se sentir condamné, sans sentir que Dieu nous reproche encore quelque chose, sans sentir que nous sommes encore éloignés de Dieu. Mais au contraire, nous ressentons vraiment la paix dans notre cœur parce que après la repentance, Dieu donne la paix. Il donne l'apaisement. On sent vraiment comme s'il y a un fardeau qui a été ôté. Maintenant, on peut parler à Dieu de manière vraiment complètement libre et se sentir proche vraiment du Seigneur et ressentir profondément cet amour-là qui vient en fait de la réintégration. Parce que Dieu nous a créés en nous aimant, mais le péché nous a éloignés de lui. Et on ressent vraiment cet amour-là que Dieu nous a ramené auprès de lui. Comme l'enfant prodigue, quand il est revenu, la manière dont le Père, dans Luc 15, l'a accueilli, il a fait une fête, il a tué le veau gras, il a invité, il lui a donné une robe blanche, il lui a donné un anneau, ainsi pour montrer vraiment qu'il est totalement réintégré comme son enfant. Donc c'est important en fait d'avoir ça dans le cœur. Et ne pas se sentir en quoi que ce soit, peut-être moins aimé de Dieu, ou bien moins avoir, je ne sais pas moi, l'amour de ton Père que ceux qui sont là avant toi. Pas du tout. C'est comme nous tous ici. Et l'amour de Dieu pour nous tous ici est le même amour que Dieu a pour Jésus-Christ son Fils. C'est le même, hein? C'est vraiment important de comprendre ça. Que l'amour que Dieu a pour chacun, c'est le même amour qu'il avait pour Jésus-Christ quand il était sur la terre. C'est vraiment important de comprendre que c'est de cette manière-là que Dieu nous aime. Si nous regardons, pour expliquer ce que je viens de dire, regardons Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 29. Romains, chapitre 8, verset 29. Romains, chapitre 8, verset 29. Il est écrit, « Car ce qu'il a connu d'avance... » Parce que Dieu, dans sa préscience, c'est ceux qui accepteront l'évangile. Donc, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 13, dit que dans l'Église, Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue du service, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'expression visible du caractère que Christ avait quand il vivait sur la terre, que ça puisse se voir dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça le but de la vie chrétienne. C'est qu'un jour, toute l'Église marche comme Christ marchait sur la terre, totalement par l'Esprit, comme il obéissait à son Père, que nous soyons ça, que nous obéissons de la même façon. Donc ça, c'est le standard de Dieu, c'est ça le but, en fait, c'est ce vers quoi Dieu veut nous amener. Et pourquoi il veut nous amener comme ça, à ce but-là?
Parce qu'il nous a, préparé à être semblable à Jésus-Christ. Et s'il veut nous amener comme ça, il dit « afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères ». Nous savons que Dieu est comment ? Dieu est un Dieu de justice. Donc, si Dieu a un ensemble de fils dont Jésus-Christ est le premier-né, il ne va pas plus aimer le premier-né que l'ensemble des autres. Il va tous nous aimer de la même façon. Donc, comme Dieu nous aime autant que Jésus-Christ, il veut que dans la pratique, nous devenions comme Jésus-Christ. Que nous marchions comme Jésus-Christ. Donc Dieu nous aime de la même manière qu'il aimait Jésus-Christ. Et ça, c'est fort quand même d'arriver à accepter. C'est difficile pour nous d'accepter ça. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'être humain naturel, nous avons vécu dans ce monde-ci qui nous a appris à tout mériter. Pour que tu sois chef d'une entreprise, il faut que tu aies gravé tous les échelons, les promotions, et que tu aies fait tes preuves, voilà. Donc, qu'on te prenne comme ça avec ta vie ancienne, avec tous les péchés que toi-même tu vois, imaginez un peu Marie de Magdala, une ancienne prostituée, hop, Dieu l'aime directement, comme il a aimé Jésus-Christ. On se dit maintenant, elle ne ressemble, quand chacun d'entre nous regarde sa vie, il voit qu'il est tellement éloigné, tellement loin du standard de Jésus-Christ. Mais comment Dieu peut m'aimer autant que Jésus-Christ? On a du mal à l'accepter. Parce qu'on se dit, je ne mérite pas ça. Je ne suis pas comme Jésus-Christ. Je suis loin d'être comme Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas le droit de m'aimer comme il aime Jésus-Christ. Mais l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour les hommes de croire qu'avec... Comme nous étions pécheurs là, Dieu nous aime maintenant comme Jésus-Christ. Tu dis c'est un homme du monde, en fait c'est une folie pour lui. Il ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Et nous venons souvent au Seigneur en gardant aussi ça. Parce que ce sont des forteresses qu'on nous a données dans le monde. L'amour, il faut, même dans les couples malheureusement on voit ça. J'aime ma femme si elle m'aime aussi. Je respecte mon mari s'il m'aime, comme le Seigneur a dit. Il n'y a pas de condition en fait. Il n'y a pas de condition dans l'amour de Jésus-Christ. Une fois qu'on est repenti de ses péchés et qu'on est devenu un enfant de Dieu, il nous aime comme Jésus-Christ. Et c'est important de l'accepter dans son cœur dès l'instant que tous nos péchés sont pardonnés, effacés, comme le Seigneur nous a dit, il purifie notre conscience pour qu'on puisse le servir sans plus avoir des condamnations, sans plus... En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est le diable qui nous accuse. C'est important de savoir que le diable, l'accusateur, lorsqu'on se convertit, et même après, il va venir avec ses mauvaises pensées-là et te dire, c'est un peu trop facile. Est-ce que tu crois que Dieu, regarde ta vie, regarde comment tu étais. Est-ce que tu crois qu'en un instant comme ça, par une prière de quelques minutes, Dieu peut te pardonner, te regarde autant d'années que tu as fait dans le péché? Tu penses que Dieu peut te pardonner comme ça? Mais non, attends, il y a encore ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Regarde les autres, ils ont plus d'années dans le Seigneur que toi, c'est normal. Ils ont eu le temps quand même de se rapprocher plus de Dieu. Dieu ne peut pas t'aimer comme eux. Et ça, en fait, c'est le diable qui vient avec ça. Pour te faire ralentir, pour te faire piétiner, pour te faire ne pas recevoir tout l'amour de Dieu. Pour te faire croire que c'est un amour qu'on mérite au fur et à mesure des années dans le Seigneur et de la fidélité qu'on a témoigné à Dieu. Pas du tout, ça, c'est pas vrai. Dieu nous aime totalement. Maintenant, nous, en retour par rapport à l'amour de Dieu, comment nous devons répondre à cet amour-là? C'est en gardant ses commandements, c'est en obéissant. Amen. Mais l'amour de Dieu pour nous n'est pas conditionné, même par l'obéissance aux commandements. Il nous aime. Mais nous, maintenant, comme nous sommes conscients qu'il nous aime, en retour, pour lui prouver que nous aussi nous l'aimons, c'est en obéissant à sa parole. Dans Hébreu maintenant, pour finir, il y avait Hébreu, non, c'est pas pour finir, il y a un deuxième verset que j'ai reçu. Pour toi, je vais te le donner après, c'est toujours dans Ésaïe 43. Mais avant, finissons dans Hébreu, c'est Hébreu 10 maintenant. Hébreu chapitre 10, parce que en fait, devant le combat spirituel contre le diable, le combat spirituel est d'abord dans les pensées. C'est là le siège le plus délicat, en fait, du combat spirituel. C'est dans la pensée. Le diable va
et essaye toujours à nous tous d'une manière ou d'une autre d'attaquer nos pensées. Il nous envoie des pensées de découragement, des pensées de désistement, des pensées de rébellion, des pensées de ainsi de suite. Et la chair accepte ces pensées-là parce que la chair est inspirée par le diable. Hein. Ça, il faut le savoir. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on doit filtrer et écarter ces mauvaises pensées-là pour qu'elles ne nous polluent pas? C'est par la parole de Dieu. Et le diable l'a fait d'abord avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient le trouver dans le désert. Quelques versets à la fin de Luc 3, par exemple, après le baptême de Jésus-Christ, le ciel s'est ouvert et le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand il se retrouve dans le désert avec le diable dit, « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu. » Alors que le Père avait dit, « Voilà mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et la Bible dit que le disciple n'est pas plus que son maître. S'ils ont traité le maître de cette façon, ils traiteront les disciples de la même façon. Donc, le diable, c'est le même traitement qu'il va nous faire. Dieu t'a accepté comme son enfant. Il a effacé tes péchés. Il t'a restauré totalement dans son amour. Mais le diable va venir dire, « Est-ce que tu penses que... » Regarde comment tu... Là encore, tu as encore mal réagi. Si tu arrives de tomber peut-être dans l'énervement, bien qu'une mauvaise parole, regarde, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Tu es toujours la même qu'avant. Tu n'as pas changé. Tu n'es pas enfant de Dieu. Et si on accepte ça, on tombe dans la culpabilité. On a du mal à prier. On commence à crier au secours à gauche, à droite, parce qu'on pense qu'on a perdu la communion avec Dieu. Non, ce qu'il faut, c'est se repentir. Et tout de suite, le Seigneur efface et on continue à avancer avec lui. C'est ça la marche avec le Seigneur. Donc, ensuite, maintenant, dans Hébreux, chapitre 10, verset 22, il est dit, approchons-nous donc d'un cœur sincère. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que notre cœur soit entier, en fait. Pas que nous nous approchons avec des motifs impurs, non. Que le cœur soit sincère, même si on est dans l'erreur. Si notre cœur est sincère, Dieu nous ramènera sur le bon chemin, toujours. C'est ça qui est important, en fait. C'est de ne pas s'approcher de Dieu d'une manière intéressée, d'une manière où on fait des calculs, on ne fait pas de calculs avec Dieu. Donc, c'est écrit, « Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. » C'est-à-dire que quand par exemple tu t'approches désormais là du Seigneur, il faut avoir la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc déjà le diable quand il vient avec ses mauvaises pensées, comment Jésus-Christ a réagi quand il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, change les pains », il répond par la parole. Il est écrit « L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel ». Il répond par la parole de Dieu. Donc, toi aussi, tu vas devoir te nourrir de cette parole pour répondre au malin quand cette parole arrive. Et la foi, tu dois mettre la foi dans cette parole-là afin qu'elle puisse produire en toi véritablement cette assurance-là. Parce que si Dieu dit qu'il t'a pardonné tes péchés et que tu ne l'accèdes et que tu n'as pas foi dans cette parole-là, en fait, tu vas continuer à marcher comme quelqu'un qui est toujours condamné par ses péchés. Et là, tu ne vas jamais arrêter dans la repentance devant Dieu. À chaque fois que tu vas venir, imagine un peu la petite fille qui est là. Elle fait quelque chose à sa maman la punit, ainsi de suite. Après, sa maman, lui, tu as bien compris qu'il ne fallait pas faire ça. Oui, oui. Ok, la maman la restaure dans son amour et tout. Et tous les jours, maman, vraiment, je te demande pardon parce que j'avais fait ça. Bon, ok, une fois. D'accord, c'est fini, je t'avais... Deux jours après, maman, vraiment, ça m'embête toujours. Ce que je t'avais fait là, le troisième jour, même le parent sera gêné par rapport à ça. Le parent va se poser, si Dieu lui ne se pose pas de questions, mais nous humains, le parent va se poser des questions en se disant, est-ce que vraiment j'ai montré à cet enfant-là que c'est vraiment fini?
pour nous, Dieu nous le rappelle par sa parole, en fait, que c'est vraiment fini, que c'est terminé. On n'a plus à revenir devant lui avec les péchés qui sont pardonnés, effacés. On regarde devant maintenant. Sans plus regarder les choses qui sont en arrière. On se porte vers celles qui sont en avant, devant maintenant. On ne regarde plus derrière. Et c'est le deuxième verset que j'ai reçu pour toi. On va le lire après. Finissons d'abord ici. Donc, d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Parce que ce n'est que par la foi qu'on peut s'approcher de Dieu. Parce qu'il a donné des promesses dans sa parole pour celui qui s'est repenti de ses péchés et qui l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur. C'est devant cette parole... Pardon, excusez-moi. Encore un autre verset. Prenons Jean. Jean, chapitre 1. Tout est dans la parole. Si on ne met pas la foi dans la parole, en fait, il y a beaucoup de... On va avancer avec une espèce de culpabilité toujours dans le cœur ou bien une espèce de pensée en nous qui va se dire, bon, je suis enfant de Dieu, mais je suis enfant de Dieu de deuxième catégorie. Je ne peux pas encore, au regard de d'où je viens avec un passif aussi lourd de ma vie, je ne peux pas encore prétendre être vraiment enfant de Dieu comme ceux qui restent à côté de lui. Je dois rester encore un peu très loin là-bas. Donc, c'est écrit ici, dans Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 12, je crois. Jean, chapitre 1, verset 12, dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est reçu la lumière de Dieu et la parole de Dieu. » C'est ce que disent les versets d'avant. Jésus est la lumière, il est la parole. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est la parole, en fait, qui t'a franchi de la vie passée parce que tu as obéi à cette parole en te repentant de tes péchés et en acceptant Jésus-Christ. Cette parole-là, c'est un pouvoir d'être enfant de Dieu. Cette parole-là, parce qu'elle dit que si tu te repens de tes péchés, Actes chapitre 2, verset 38, quand les Juifs qui étaient à Jérusalem, on a lu ça hier, disent à Pierre, que ferons-nous donc? Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On a lu hier aussi, dans 1 Corinthiens 12, verset 13, que par ce Saint-Esprit-là, Dieu nous a assemblés pour former un seul corps. Donc, il nous a appelés dans son Église, c'est-à-dire à être sa famille, à être ses enfants. Donc, désormais, cette parole-là m'a donné le pouvoir d'être parmi les enfants de Dieu, d'être dans sa famille. Et je ne suis pas un enfant mal aimé. Je suis un enfant comme tous les autres. Tout simplement, je suis devenu enfant de Dieu en vertu de la parole de Dieu. Donc, si je n'ai pas la foi dans cette parole-là qui me dit, étant donné que tu es repenti, que tu t'es converti, que tu es passé dans les eaux du baptême, Dieu t'a donné le don du Saint-Esprit. Si je n'accepte pas ça, je n'aurais pas reçu. Dieu, lui, la parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais il faut accepter. Quelqu'un peut être nommé ministre, mais il faut qu'il aille signer et qu'il prenne son poste. Tu vois, s'il reste chez lui, on l'a nommé ministre, mais il ne prend pas le poste, il ne va pas exercer le poste de ministre. Donc nous, de la même façon, cette parole-là, elle nous donne le pouvoir. Lorsqu'on a obéi de devenir enfant de Dieu, mais il faut l'accepter et commencer à marcher véritablement comme un enfant de Dieu. Finissons, Hébreux 10, verset 22. Il dit donc, le cœur purifié, donc une foi entière d'abord, elle est importante, pour on s'approche d'un cœur sincère, avec une foi pleine et ferme, c'est-à-dire la foi dans la parole qui nous donne cette conviction-là qu'en nous approchant de Dieu, on s'approche comme un enfant s'approche de son père et qu'il n'y a plus rien entre Dieu et nous parce que le mur de séparation qui était notre péché est tombé par la repentance. Il a été détruit complètement, détruit comme s'il n'avait pas existé, détruit jusqu'à la fondation du péché. Déraciné totalement. C'est pour ça que Dieu nous donne le Saint-Esprit. C'est pour que la racine du péché soit enlevée totalement en nous. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est venu pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Donc ensuite, maintenant, nous poursuivons dans Hébreux 10, verset 22. Il dit, cœur sincère, foi pleine et entière,
le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc, Dieu, par le verset qu'on a vu, Hébreux chapitre 9, verset 14, le sang de Jésus a purifié notre conscience. Maintenant, pour véritablement s'approcher et profiter de la présence et de la grâce qui est de demeurer au pied du Seigneur, qu'on reçoit en demeurant au pied du Seigneur, il faut que notre cœur soit sincère, que notre foi soit pleine et entière dans la parole de Dieu, et ensuite maintenant, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'on a accepté que le sang de Jésus a purifié notre conscience. Et que notre cœur, parce que ce que Dieu dit, le cœur doit recevoir ça. C'est pour ça qu'il dit le cœur purifié d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire que le cœur a accepté, maintenant c'est fini. La vie ancienne, c'est terminé, je n'en parle plus. Si je tombe maintenant, je regarde ce qui se passe là, où je suis tombé, déjà étant enfant de Dieu. Mais tout ce qui était avant, c'est terminé. Donc ensuite, maintenant, il dit, et le corps lavé d'une eau pure. Donc voilà comment la restauration complète, Dieu a pris des dispositions pour qu'elle soit totale. Et il faut l'accepter. Ensuite, il dit, maintenant que nous nous approchons de Dieu de cette manière-là, qu'il n'y a plus de barrière, confessons notre espérance sans fléchir, sans douter, sans se dire que non, voilà, il y a encore ci, il y a encore... Non, total. C'est pour ça que, en fait, dans notre conversion, notre repentance doit être profonde, totale, radicale. Si on fait une repentance en demi-teinte, notre vie spirituelle sera en demi-teinte. Si on fait une repentance en gardant certaines choses pour nous, notre vie spirituelle ne pourra pas décoller. À cause de ces choses-là qu'on n'a pas exposées à la lumière devant le Seigneur, il y aura, le diable va nous retenir. Il va nous retenir afin que notre vie spirituelle ne puisse pas décoller totalement. Donc, confessons notre espérance sans fléchir. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit là dans sa parole, c'est ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous qui sommes devenus ses enfants. Et il n'a pas fait une exception pour quelqu'un. Donc, il faut l'accepter comme ça. Donc, le deuxième verset que j'avais reçu pour toi est aussi dans Ésaïe. Ésaïe 43. Donc, il y avait le verset 25 et l'autre verset, c'est le 18. Ésaïe 43, verset 18. Donc, c'est 18 et 19, on va lire. Ésaïe 43, verset 18 à 19 dit, ne vous souvenez plus des premiers événements. Si Dieu a pardonné et effacé tes péchés, toi ne t'en souviens plus. Au sens, tu peux te rappeler de ta vie ancienne, mais pas dans le sens de ressasser et de demeurer dans la culpabilité. Tu peux t'en souvenir comme un témoignage pour ceux qui sont sur le chemin de la conversion, par exemple. Je dis, avant, moi j'étais comme toi. Je faisais aussi ce que tu faisais, mais c'est parce que j'étais dans l'ignorance. Mais je peux te dire que, ayant fait tout cela, ça ne donne pas la paix dans la vie. J'ai toujours été malheureuse, malgré que je faisais tout ça, je jouais la vie, je pensais que c'était ça vraiment qui m'apporterait le bonheur, mais je n'ai pas trouvé le bonheur dans ça. Donc ça, ça peut être une manière d'utiliser sa vie ancienne pour édifier quelqu'un qui recherche le Seigneur. Donc ne vous souvenez plus des premiers événements, ne considérez plus ce qui est ancien. C'est-à-dire que même quand on se souvient de ce qui s'était passé, il ne faut plus le considérer. C'est-à-dire que ça n'a plus, dès que Dieu a effacé, balayé ça, ça n'a plus aucune importance dans le sens d'influencer notre relation avec Dieu. S'il a pardonné et effacé, c'est ce qu'il a fait. Et il faut accepter ça. Donc ensuite, maintenant, il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Et Dieu dit maintenant dans le verset 19, voici que je fais une chose nouvelle. Comme tu disais, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Quand un bébé sort du ventre là, on ne commence pas par lui dire, toi tu sors d'où? Qu'est-ce que tu faisais avant? Non, il est sorti du ventre. On sait qu'il ne faisait rien avant. C'est comme ça que Dieu lui nous considère.
Comme nous, parents, nous considérons l'enfant qui vient de naître, là, on sait qu'il n'a pas de passé. Il n'a rien fait avant. Il est sorti du ventre, là, nouvellement. Il n'y a rien qui l'a précédé. Donc, Dieu, lui, c'est comme ça qu'il nous voit. Mais c'est nous, êtres humains, qui allons encore chercher dans les éléments du passé. Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il... Non, Dieu, lui, nous voit comme ça. Et donc, nous devons également accepter que c'est comme ça que Dieu nous voit. Donc, il n'y a pas de barrière dans l'amour de Dieu pour nous. Ensuite, il dit, elle est maintenant en germe. Ce qu'il va faire, ne la reconnaîtrez-vous pas. Dans ta vie, toi-même, tu dois voir les choses que Dieu est en train de changer, de manifester comme nouveau, en fait, dans ta vie. Parce que quand on passe de la mort à la vie, nous dit Romains chapitre 6, de même que Christ, parce que quand il parle du baptême, il dit que nous avons été ensevelis avec Christ. Romains 6, verset 4. On peut aller lire ça pour bien expliquer ce que nous disons là. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et il faut prendre cette habitude là. Quand quelqu'un t'explique la parole de Dieu, il doit te montrer ce qu'il dit là dans la Bible. Il doit ouvrir la Bible pour te montrer là où c'est écrit. Il ne faut pas accepter comme ça tout ce que l'on te dit. Dans Romains chapitre 6, verset 4. Romains 6, verset 4, parlant du baptême, le baptême que tu as fait là hier, la signification et la portée spirituelle qu'il y a derrière le baptême, c'est que nous avons été ensevelis avec lui par la mort. Dans la mort du baptême. Donc, quand on te plonge dans l'eau, c'est la mort, c'est l'ensevelissement du mort, de ta vie ancienne. Quelqu'un qui est mort, il est mort avec les actions de sa vie d'avant. C'est pour ça qu'il faut vraiment que l'on comprenne la portée de la repentance, frère Hervé. Et c'est pour ça que moi je dis et je suis convaincu qu'un chrétien qui est vraiment né de nouveau ne peut pas avoir des démons. Est-ce que tu comprends ça? Parce que la vraie repentance ensevelit la vie ancienne avec tout ce qu'elle avait. C'est un peu comme si tu vas dire que quelqu'un est mort. On l'a enterré, mais les actions de sa vie qu'il a produites sont encore là. Tu vois? Donc, si réellement les actions de sa vie, c'est-à-dire que la personne possède encore des démons, c'est qu'il n'était pas mort vraiment. Tu vois? Donc, il faut revenir à sa conversion. C'est comme ça que moi je comprends la chose. C'est-à-dire que, en fait, sa conversion ne peut pas être valide. C'est qu'on se trompe, en fait, de l'appeler chrétien. Parce que ça remet vraiment en cause la réalité de la repentance. Quand on dit que quelqu'un est mort et qu'on l'enterre, il ne peut pas être mort totalement, on l'enterre véritablement, mais des choses de sa vie ancienne continuent à vivre, en fait. Ce n'est pas possible. C'est qu'il n'était pas mort. S'il bouge encore la main comme ça, quand il sait qu'il n'est pas mort, vraiment. C'est, il vaut mieux le ramener sur la terre parce que l'ancien là n'est pas mort. On lui pique le formol, rien ne peut. Là maintenant, on peut le plonger. Là, on sait qu'il est mort. Là, piquer le formol, c'est la délivrance. Est-ce que là maintenant, on est d'accord? On lui pique le formol, on le guérit. Là maintenant, on le baptise. Quand il ressort, on sait que non. Là maintenant, c'est fini. Là, c'est bon. Il était vraiment mort, on l'a enterré. Nous tous, on a vu comment il était dans le cercueil, il ne bougeait plus. Là, maintenant, on le ressent, on dit non, ça c'est une nouvelle créature. Bon, c'était une parenthèse. Donc, continuons. Donc, enseveli, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort du baptême. Afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, afin que, donc il y a un but en fait pour lequel on ensevelit quelqu'un. C'est pour ça que c'est, quand quelqu'un dit que le baptême n'est pas important, ça me fend le cœur. C'est parce qu'on ne comprend pas la réalité spirituelle, la portée spirituelle et la profondeur qu'il y a dans le baptême. Une fois qu'il y a eu la repentance, il y a vraiment une puissance spirituelle qui se passe. Quand les enfants d'Israël traversent la mer Rouge, en fait, Dieu est en train de les couper totalement de l'Égypte. C'est pour ça qu'il a refermé la mer en fait. Pour qu'il n'y ait plus de chemin de retour entre eux qui sont de l'autre côté et l'Égypte qui est de ce côté. Il a refermé la mer Rouge.
pour que si quelqu'un veut même retourner en Égypte, que le chemin ne soit pas ouvert par Dieu. Mais malheureusement, dans leur cœur, ils avaient quand même ramené l'Égypte. Bon, donc il dit maintenant ici, nous étions dans Romains chapitre 6, verset 4, en train d'expliquer la réalité spirituelle qu'il y a dans le baptême. Mais après, maintenant, il faut que le baptême soit biblique, il faut que la repentance soit profonde. Ainsi, on part sur la base que vraiment, tout cela s'est passé conformément à la parole du Seigneur. S'il y a eu des manquements là-dessus, c'est que c'est là qu'il faut recommencer tout le travail. Donc, il dit, afin que, donc maintenant qu'on a été enseveli, enterré, la personne ancienne, par les eaux du baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, de la même manière, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, c'est la résurrection de Christ qui nous accorde toute la grâce de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Et quand Christ est sorti lui-même des eaux du baptême, c'est là où le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe et lui a permis d'entrer dans le ministère. De même, nous aussi, lorsque nous sortons des eaux du baptême, nous sommes scellés du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous aide à marcher dans une vie nouvelle, une mentalité nouvelle. Voilà pourquoi quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu manques comme ça de ta bouche, la conscience tout de suite te parle. Parce que le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui fait ça pour que ta vie soit nouvelle. Les choses que tu faisais avant, sans que ta conscience ne t'accuse, tu pouvais voler les transports, ne pas payer tes impôts, tout ça. Tu disais, bon, tant pis, ils comprendront, ou bien tant pis, je m'en fous, je ne le fais pas. En tant qu'enfant, tu ne peux plus le faire. Même si personne ne le sait, tu ne peux plus le faire parce que, en fait, vu que le Saint-Esprit est là en toi, c'est comme ma soeur disait là que quand elle s'est convertie, c'est comme si le Saint-Esprit c'était une personne qui était dans sa chambre. C'est en fait comme ça, c'est-à-dire c'est comme si réellement Dieu était devant toi dans tout ce que tu es en train de faire. Quand tu dis ça, je ne vais pas faire, quand tu regardes, tu restes comme ça, tu dis waouh, Dieu voit ce que je suis en train de faire. Après, je vais venir me prosterner devant lui pour prier, c'est pas possible parce qu'il a vu ce que j'ai fait. Donc je ne peux pas, je peux tromper ceux qui sont là, mais devant Dieu, je ne peux pas mentir à Dieu. Parce que c'est devant lui que je vais venir faire la prière. Donc le Saint-Esprit, en fait, est celui qui va te conduire, t'introduire dans cette vie nouvelle avec une mentalité nouvelle. En faisant toutes ces choses-là devant Dieu désormais. Et le baptême en cela est important parce que ça marque la coupure de l'Égypte ancienne et de la nouvelle terre dans laquelle on entre, où on est uniquement dans le désert, il n'y avait rien d'autre que le ciel et le sable. Dépendent de Dieu totalement. Dans la journée, la colonne de nuit, dans la nuit, la colonne de feu conduisait le peuple. C'est l'image du Saint-Esprit. Il n'y avait que la colonne de nuit et la colonne de feu pour leur montrer le chemin. Dans le désert, il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire que quand on entre dans cette vie nouvelle-là, seul le Saint-Esprit, désormais, par cette parole-là, qu'il a inspirée, nous dit, va à gauche, va à droite, va ainsi de suite. D'où, justement, un autre verset encore me vient à l'esprit. Comme enfant nouveau-né, et rappelle pour ceux qui sont déjà un peu avancés avec le Seigneur, 1 Pierre, que nous connaissons tous, où il parle justement aux enfants nouveau-nés. 1 Pierre chapitre 2. Nous voyons bien que tout ce que nous disons là est basé sur la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu qui soutient tout cela dans notre vie, en fait, on va avancer comme ça, on va naviguer à vue dans notre marche chrétienne. Si on ne revient pas toujours aux Écritures pour avoir le fondement et l'ancrage de la parole de Dieu, on va avancer comme ça sans comprendre la signification spirituelle profonde des choses que nous faisons dans le Seigneur. Donc ici, 1 Pierre chapitre 2, verset 2 dit,
désirer comme des enfants nouveau-nés, comme tu as dit que tu es né de nouveau, un enfant qui sort du ventre de sa mère n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il faut qu'il réclame le lait. Naturellement, si on le pose sur la poitrine de la maman, il va commencer à chercher le sein. Personne ne lui a appris à faire ça. Parce que Dieu a mis ça dans les gènes de l'enfant. De même, quand quelqu'un expérimente une vraie conversion, quand il s'est réellement repenti, il a compris réellement qui l'a accepté comme Seigneur, c'est en lui, dans l'ADN spirituel qu'il a reçu, c'est en lui qu'il doit aimer cette parole-là et qu'il doit la rechercher. Comme l'enfant, si on ne lui donne pas le lait, il va pleurer pour exprimer son mécontentement qu'il lui manque quelque chose. C'est ça qui se passe dans une authentique conversion. Si la conversion, si on doit tirer quelqu'un pour qu'il lise la Bible, il faut faire attention à la conversion de la personne. Parce que la conversion n'est pas suffisamment profonde. Donc, en fait, comme elle n'est pas profonde, on va devoir beaucoup assister, pousser. Comme un enfant qui naît, qui ne recherche pas le lait, en fait, il y a un problème dans sa, comment dire, dans sa constitution. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut, le médecin même, si une maman sort de la maternité, une semaine après, l'enfant ne réclame pas de lait, l'enfant ne pleure pas, on ne nourrit pas l'enfant, l'enfant reste, il ne pleure pas, il reste là, la maman va se dire, elle va retourner rapidement voir le pédiatre. Et le pédiatre va commencer à examiner l'enfant parce que ce n'est pas normal. L'enfant doit automatiquement réclamer le lait quand il naît. C'est automatique. Et l'enfant est réglé comme ça. À chaque heure de tétée, l'enfant, de manière réglée, en fait, va réclamer du lait. Donc, si Dieu prend l'image de l'enfant nouveau-né et du comportement qu'a l'enfant, ça, c'est la même chose qu'il a fait spirituellement pour quelqu'un qui naît de nouveau. Il a mis cette attirance-là vers cette parole. Si quelqu'un dit, moi, je suis né de nouveau, mais lire la Bible, ça me fatigue tellement. Quand je lis ça, c'est une horreur. Il faut se demander, est-ce que l'Esprit de Dieu est venu prendre place dans son cœur? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole-là. Donc l'Esprit de Dieu, quand il prend place dans un cœur, il ne peut que attirer la personne vers la parole de l'Esprit. Et c'est comme ça qu'on reconnaît une authentique conversion d'une conversion superficielle. Parce qu'on peut avoir une conversion, autant pour moi, qui a des motifs intéressé vis-à-vis de Dieu. Je me convertis parce que je suis malade. On m'a dit que Jésus-Christ guérit. On dit, qui veut donner sa vie au Seigneur? Moi. On part, mais les motifs ne sont pas là. Donc, moi je cherche la guérison. Tant que ça parle de la guérison, ça m'intéresse. Quand on me parle de sanctification, la parole me répugne. Parce que les motifs ne sont pas bons. La naissance n'est pas la naissance normale. Un enfant a fait 9 mois dans le ventre, on a suivi sa grossesse, tout s'est bien passé. Non. Ce n'est pas ça. Mais peut-être, il y a vraiment un problème là-dedans. Identifier, c'est pour ça que souvent, quand on rencontre des bien-aimés qui nous disent « Ah, ma vie spirituelle, ça ne va pas, ça monte, ça descend », bien souvent, la première question qu'on lui pose souvent, « Dis-nous un peu comment tu t'es converti. Raconte-nous ton témoignage. » Moi, j'ai déjà posé la question comme ça à une personne. Elle a commencé à me raconter le témoignage. Ah, on était à Abidjan, il y avait la guerre après. Bon, on allait à l'église, ainsi de suite. Elle a fini de raconter. Dans ma tête, moi, je ne lui ai pas dit, j'ai dit, mais où est le témoignage dans ce que tu dis? Où est la rencontre personnelle avec? Il n'y avait aucune rencontre personnelle avec. Mais elle se considère comme un enfant de Dieu. Il n'y a pas de rencontre personnelle avec Jésus. Il n'y a pas le cœur vivement touché. Le choc de la rencontre avec Jésus-Christ, quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, il ne peut pas être le même. Ce n'est pas possible parce que la parole de Dieu te montre ta vie dans un miroir comme ça. Tu dis non, c'est mon image, elle est tellement moche, je ne dois pas être comme ça. Je dois ressembler à Dieu. Et c'est ça qui touche ton cœur. Tu dis non, je veux abandonner la vie ancienne là. Je veux venir dans une vie pour laquelle, une vie remplie de sens, une vie qui est vraiment sensée. Que Dieu a prévu que je puisse vivre loin de toutes les préoccupations de ce monde qui nous encombre, qui nous fatigue, qui nous attire des problèmes et nous entraîne dans toutes sortes de casseroles.
Les personnes qui sont là, qui ont un certain âge dans la chair, peuvent dire, ceux qui se sont convertis tard, le nombre de choses de la vie ancienne, de conséquences qu'ils traînent aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas fait le choix de suivre Jésus plus tôt dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'accepter Jésus, ils ont fait des mauvais choix. Alors que le Seigneur, quand il prend son enfant, il te tient par la main. Dans telle situation, non, va dans ce sens-là, laisse l'autre chemin-là. Prends celui-ci et ça, ça t'évite beaucoup de problèmes. Des problèmes qui ont des conséquences aujourd'hui. Combien de personnes vont se convertir ayant accumulé crédit sur crédit, crédit sur... On ne comprend plus. Pas. Et bien, si on était enfant de Dieu plus tôt, on n'aurait pas fait cela. On n'aurait pas ces conséquences-là. Tout cela, c'est très, très important. Certains sont allés se marier comme ça du jour au lendemain sans vraiment connaître l'appel. Dieu dit, choisis quelqu'un qui est converti comme toi. Il sait pourquoi il nous dit de faire ça. Le mariage, c'est toute une vie. On ne s'engage pas comme ça parce que je t'ai vu deux, trois fois, tes yeux sont bleus, c'est beau, les yeux sont... Voilà. Allez, ah, ça, c'est une belle femme. Non, ouh, ça, c'est la femme de ma vie. Deux, trois jours après, ah, ça, c'est un démon que j'aime. Quel démon? Est-ce que tu as demandé à Dieu avant? Si tu avais demandé à Dieu avant, il t'aurait dit que ça, c'est un démon que tu es en train d'épouser. Mais comme tu as fait confiance à tes yeux, or, les yeux ne sont pas régénérés par Dieu. Regardez, il y a un cas dans la Bible, hein, Samson. Samson est parti chez les Philistins, il a vu une femme belle et tout. Il rentre et dit à ses parents, j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dalila? On a vu ce qui est arrivé. Parce que c'était la chair qui l'avait attiré vers cette femme-là. Pourtant, il était appelé de Dieu en plus. Hein. C'est un homme de Dieu qui aurait dû consulter le Seigneur pour savoir est-ce que réellement c'est ça que je dois faire. Donc, c'est important vraiment. Enfin, c'est une grâce. Comme les jeunes là de 21 ans, je n'ai pas encore à avoir d'engagement, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore fait le choix de connaître le Seigneur. Parce que si tu demeures dans le Seigneur, ça va t'éviter énormément de problèmes, de casseroles que tu pourras traîner dans ta vie. C'est une grâce importante. Demande au grand frère qui est là, qui a la soixantaine passée, lui il a connu le Seigneur plus tard. Les conséquences qu'il a dans sa vie par rapport à toi aujourd'hui qui n'a rien encore. C'est une grâce énorme d'accepter le Seigneur plus tôt. Parce qu'il y a des conséquences, des choses que tu vas éviter. Moi-même, j'ai des conséquences aujourd'hui que je porte dans ma vie parce que j'avais fait des mauvais choix avant. Je ne connaissais pas le Seigneur. Il y a certains, par la grâce de Dieu, dès que j'ai connu Dieu, il m'a permis de commencer à régler. D'autres, je ne peux plus les régler. C'est comme ça. Je vais assumer les conséquences jusqu'à la fin. Donc, vraiment... Tout cela ne peut que nous encourager à dire, voilà, la voie nouvelle que j'ai choisie. Le Seigneur ne peut que me ramener dans le plan initial qu'il avait en créant l'homme à son image. En manifestant cet amour-là à l'homme. Si Dieu crée l'homme à sa propre image, il ne peut pas vouloir du mal à l'homme. La parole cible. Ce qu'il y a là-dedans, comme exhortation que Dieu donne à ses créatures, ça ne peut pas nous faire du mal. Ça ne peut pas nous entraîner sur un chemin où il y aura du regret. Par contre, en laissant ça de côté et en essayant de faire par notre propre volonté, ça va nous entraîner dans plein de calamités. Parce que le diable, le Seigneur dit, je mets devant toi deux portes. Celle-là, c'est celle qui mène à la vie. L'autre à côté, c'est celle qui mène à la mort. Je te conseille de choisir celle qui mène à la vie, mais je ne te force pas. Et le Seigneur va donner les conséquences de ce qu'il y a derrière chaque porte. Ce que le diable ne fait pas. Le diable, lui, va te dire, bon, vas-y, engage-toi sur tel chemin, voilà une belle femme, épouse-la, ainsi de suite, ou bien, je ne sais pas moi, voilà, je donne ce travail avec un grand salaire, je ne sais pas, enfin, bref, il t'entraîne dans un chemin sans te dire les conséquences. Tu t'engages parce que tu vois l'entrée de la maison, elle est très belle, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Une fois que tu vas t'engager là-dedans, c'est là où le diable va commencer à détruire ta vie doucement, doucement. Tu vas te voir t'enfoncer, descendre, descendre, descendre. Et Dieu, lui, ne fait pas ces choses-là. Donc, c'est important, vraiment, de comprendre Ésaïe 43, verset 19, sur lequel nous sommes en train de finir.
Ésaïe chapitre 43, verset 19. Nous finissons là-dessus. Donc, où il dit, ne la reconnaîtrez-vous pas. C'est ça que c'est cette portion-là qu'on était en train d'expliquer, que dans la vie pratique d'un enfant de Dieu, il y a un témoignage visible de ce que Dieu a changé. Il y a une transformation palpable. Les gens à côté doivent dire, sans que nous n'ayons à confesser de notre bouche. Vous savez qu'entre-temps, le jour de devenir enfant de Dieu, nous, on a besoin de dire ça. Ceux qui t'ont connu doivent le voir. Ils doivent le ressentir, ceux que nous fréquentons. Donc, ne la reconnaîtrez-vous pas. Donc, ça doit se reconnaître, cette chose nouvelle, cette vie nouvelle, cette mentalité nouvelle qui est conduite et inspirée par Dieu, doit être palpable dans notre vie. Je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire que même si Dieu nous amène dans le désert pour nous tester, nous éprouver, nous enseigner dans le désert, il mettra quand même un chemin. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous abandonner sous le soleil et les conditions difficiles du désert, mais il met un chemin parce qu'il vient avec nous là-bas pour nous éduquer. Et des fleuves dans une terre aride. On a besoin d'eau pour pouvoir continuer à cheminer, même quand c'est difficile. Et le Seigneur pourvoit à cette eau-là. Donc, désirez, je ne sais pas si on a fini de lire le 1 Pierre, chapitre 2, la joie qu'il y a à la fin du verset qu'on n'a pas lu. Donc, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que si quelqu'un explique la parole du Seigneur, il faut veiller dans ta Bible à lire toi-même, vérifier que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Parce qu'un nouveau-né, si vous prenez un enfant qui vient de naître, qui est sorti fraîchement du ventre de sa mère, même si vous prenez un liquide sucré, ramenez-lui du Fanta, c'est bien sucré, ou même du sirop de grenadine, bien sucré, vous donnez ça à l'enfant, il va cracher ça. Parce que dans ses gènes, ce n'est pas ça dont il a besoin. Il va commencer par le colostrum qui sort du sein de sa mère, après ça va être le sein maternel. C'est ça qu'il va aimer. Si on lui donne autre chose, même si c'est sucré à la bouche, il va jeter ça. De la même manière, un enfant de Dieu qui est né de Dieu, qui aime Dieu, qui est né selon la parole de Dieu, si on lui donne une mauvaise semence qui ne vient pas de la Bible, au bout d'un moment, il va, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Et le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, je vous donnerai l'Esprit de vérité. Et il vous rappellera mes paroles et vous annoncera les choses à venir. Donc, l'Esprit de vérité que Jésus nous a donné va témoigner de la vérité. C'est-à-dire que ce qu'on entend là, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la vérité. C'est l'Esprit Saint en nous qui va nous le dire. Dieu a prévu toutes ces choses-là pour garder ses enfants dans dans le plan qu'il a prévu. Donc, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté. Pas n'importe quelle parole, une parole biblique que Dieu a donnée lui-même. Donc, la fin, il dit afin, il y a un but, afin que par lui, par le lait de la parole, c'est par lui. Comme l'enfant nouveau-né, c'est par le lait maternel, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, quand on est né de nouveau, après, on va entrer dans la croissance. On ne va pas rester. C'est pour ça que le frère Georges disait à frère Jean-Gilles, il a dit une parole hier qu'il ne faut pas qu'il reste novice longtemps. C'est pour ça qu'il lui disait ça. Parce que c'est un peu comme un bébé qui vient de naître. On le voit là, il est tout mignon. Waouh, il est mignon. On peut en faire 5 ans. On revient, il est encore toujours dans le berceau, dans les bras de sa mère. Là, il sera plus mignon.
5 ans après, il est toujours dans les bras de sa mère. Non, là, si on dit qu'il est mignon, c'est que c'est l'hypocrisie. Amen. Voilà. Oh, c'est écrit qu'il faut fuir l'hypocrisie, c'est le verset d'avant. Là, c'est l'hypocrisie. Si on dit à sa mère qu'il est mignon, normalement, la mère même doit dire tu n'es pas sérieux. Donc, en fait, Dieu a prévu les choses naturelles qui nous choquent quand nous voyons. Mais quand c'est spirituel, comme on ne voit pas, on l'accepte facilement. C'est-à-dire que quelqu'un peut rester, il a 30 ans dans le Seigneur, dans la réalité spirituelle, en fait, si je vois tonton Nicanor, par exemple, à son âge, avec un biberon, avec du lait dedans, je crois que tout, même les enfants là seront choqués s'ils voient ça. Eux-mêmes s'ils voient ça, mais papy, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, les enfants seront choqués. Or, nous, comme on ne voit pas la réalité spirituelle, on voit quelqu'un qui est 30 ans dans le Seigneur, il marche toujours comme un bébé. Hein? C'est comme s'il avait sa tétine. Mais comme on ne voit pas la chose, en fait, comme elle n'est pas... C'est une réalité spirituelle, elle n'est pas palpable. Bon, on peut plus facilement l'accepter. On va dire, bon, ben, c'est comme ça, chacun grandit à son rythme. Mais pour un enfant, on ne va pas tolérer. Hein? Si un enfant est sorti, comme je disais, du ventre de sa mère à 5 ans, il est toujours là. Oh bébé, non. Là, on ne va pas tolérer. On va tout de suite courir à la pédiatrie ou bien, je ne sais pas, voir des médecins, même des psychologues, des psychiatres et dire qu'il y a un problème avec cet enfant-là. Mais spirituellement, on n'est pas alerté. On se dit, oh, le Seigneur prend le temps avec chacun, selon ce... Donc, on va toujours trouver des explications. Alors que même dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Certes, Dieu peut prendre plus de temps avec, mais ça ne dure pas des années non plus. Il y a une certaine maturité, une certaine croissance spirituelle qui doit être évidente, par exemple, un an après la conversion. Il y a une certaine croissance qui doit être évidente. Mais si on en est encore à piétiner, il faut revenir à la conversion. Il faut revenir à la base même et voir est-ce que ça, ce n'était pas un prématuré qui est sorti là. Auquel cas, on aurait dû le ramener dans la couveuse d'abord. Quand un enfant sort et qu'il n'est pas totalement constitué, qu'est-ce qu'on fait? On le met, on le garde là-bas s'il est prématuré jusqu'à ce que les médecins eux-mêmes puissent attester que lui, là, il peut retourner vivre dans le monde normal, dans sa famille, là où il laisse sortir l'enfant. Donc, ce que nous disons là, c'est un rappel, c'est un message qu'on adresse principalement à notre sœur qui s'est engagée dans les eaux du baptême hier, mais c'est un rappel aussi pour nous qui nous remet vraiment sur, le fondement même de la vie chrétienne. Je crois qu'il y a une des questions, parce qu'on peut penser que c'est hors sujet par rapport au jeûne, à la retraite spirituelle, mais il y a une des questions dans la direction que j'avais envoyée par rapport à la retraite spirituelle, c'est « Suis-je un disciple de Jésus-Christ ?» Ce qu'on a donné là, c'est le fondement du disciple. Parce que pour devenir un disciple, il faut naître de nouveau. Et là, on est revenu sur le fondement de la nouvelle naissance. Mais après, si Dieu fait grâce, on va encore appuyer par rapport à ça, par rapport au disciple. Vraiment, comment est-ce que... on va là refaire encore l'exercice qu'on a fait pour l'église, voir comment...